comment fonctionne un système UV? C'est très simple. Donc on a une colonne, on peut appeler un stérilisateur. À l'intérieur de cette colonne, on a une ou plusieurs lampes UV. Elle a la particularité, en fin de compte, c'est une lumière qui désinfecte. Cette longueur d'onde a la particularité de rentrer directement dans le micro-organisme et par rapport à un temps d'exposition, elle le détruit entièrement. On le retrouve dans plein d'applications, la piscine privée, la piscine publique, l'aquaculture, le traitement des stations d'épuration, etc., etc. Dans le domaine de la piscine, très très simple, on a une pompe, on a un filtre, on installe un système par ultraviolet en fonction du débit de la filtration pour qu'il y ait bien le temps d'exposition suffisant pour assurer un effet de désinfection en continu, tout simplement. Pour assurer cette désinfection en continu, deux solutions, soit par intermédiaire d'une pompe doseuse qui injecte un produit sans chlore pour pas qu'il y ait une nappe qui s'accroche sur la paroi, et là on est sans chlore, on parlera des arguments, soit un produit qui effectivement se développe énormément sur le marché français, qui s'appelle l'Oclear, qui combine en fin de compte un UV et une électrolyse à très basse salinité. Comment ça marche? Très simple. J'ai toujours la technologie UV qui, à un moment donné, fait de la désinfection. Et pour assurer un effet de désinfection en continu, j'ai une électrolyse qui est installée dans le stérilisateur qui va gérer ce qu'on appelle la rémanence, donc production de très peu de chlore. N'essayez pas d'aller le mesurer, ça va être compliqué. Hein? Et pour générer le peu de désinfectant dont vous avez besoin, nous ne mettons que 0,5 g par litre de sel. Donc on surfe dans l'éco-responsabilité, ça sent pas, ça ne pique pas les yeux, ça n'a aucun goût, ça n'a aucun goût de sel, et je peux arroser mon jardin. Voilà. Et on voit dans l'évolution du marché de la piscine, il me semble qu'il se vend de plus en plus de pompes à débit variable, il me semble qu'il se vend de plus en plus de filtres à cartouches et de l'eau clear, et les professionnels de la piscine proposent des packs éco-responsables qui permettent de répondre à l'attente des clients, tout simplement. Voilà simplement comment je vous présente. En termes d'installation, on a une entrée, une sortie. Donc là on a une entrée, une sortie. Voilà, tu rentres par le bas, tu sors par le haut. Donc souvent tu montes en bypass pour isoler le matériel, pour faire une intervention. Tu as accès sur le capot à la lampe. La lampe, en fin de compte, est dans un fourreau, une éprouvette. Pour changer la lampe, c'est très simple. Moi-même, j'y arrive. Donc, il y a une prise 4 pins qui se connecte. Ils sont forts, parce que les bons vendeurs, les bons pavois, les responsables, les directeurs commerciaux, même devant les caméras, ils sont trop forts. Les purs techniciens, ils n'arrivent pas. Là, lui, il est à l'aise. Oh, le produit aide. Hein. Donc, il y a une prise 4 pins qui se connecte. Tu enlèves la prise 4 pins. Tu enlèves la lampe et tu changes la lampe. Donc très très basique. Et un entretien? Donc c'est ça qu'il faudra faire. Durée de vie de la lampe, c'est 13 000 heures, c'est 3 à 5 saisons. Après ça dépend du temps de filtration, ça dépend de où tu te trouves. Voilà. D'accord. Et une lampe coûte prix public entre 150 et 200 euros. Pas plus. Non, c'est très abordable. Voilà, tout simplement. Et un prix public à peu près pour une piscine de 50 mètres cubes? Il faut compter entre 2500 et 3500 euros. Pas plus non plus? Non. Voilà, avec ou sans régulation pH. Alors très sincèrement, j'en ai jamais acheté, je pensais que c'était le double le prix. Voilà. Je suis une truffe quand même. J'ai dû installer 1200 traitements au sel. C'est incroyable. Mais tu vas voir.